elle est, mon erreur? Parce que je ne t'aime plus? C'est ça, c'est bon? Et nous sommes sans ignorer que depuis le mardi, nous sommes vraiment bénis. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas envie de finir. C'est la dernière intervention, mais on a envie que ça continue encore, ça continue. Tellement que c'est bon. Hier, on était avec le docteur Michaud qui partait à Lille. Il dit, aïe, 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 Bishop, il fallait me dire, j'allais rester encore. On a besoin que de rester dans des moments comme ça. Nous sommes dans la joie. Amen. Amen, amen. Alors, on va acclamer très fort le Seigneur pour la vie de son serviteur. Papa Israël, God bless you. God bless you. Thank you. Ça, vous avez acclamé pour qui? C'est pour Jésus, mais c'est pour Jésus. Je crois que c'est ici que nous avons parlé concernant des acclamations, n'est-ce pas? Une fois, nous avons dit, vous savez, acclamer, c'est le mot chaka. Chaka, c'est prendre l'ennemi, le placer là entre vos deux mains et l'écraser. Vous comprenez ça? Non, écoutez. Le mot chaka est tellement significatif que, frères et sœurs, vous savez, même si vous n'avez pas de mots de parole, vous pouvez seulement acclamer dans votre chambre et vous allez sentir l'atmosphère changer. Amen. Je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie où il n'y avait pas de mots qui ne pouvaient pas sortir de ma bouche. Et j'ai quimé en moi, comme la Bible nous dit, par des soupirs inexprimables. Et depuis que j'ai compris que le yada, c'est lever la main, c'est chaka, c'est acclamer, et il y a beaucoup de termes hébreux qui sont dans la Bible dont nous ne comprenons pas. Lorsque la Bible nous dit, ce n'est pas une tradition pentecôtiste. Quand nous disons acclamer, quand nous disons levons nos mains, ce n'est pas une tradition pentecôtiste, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Acclamer, vous savez que lorsque Joshua, asseyez-vous une minute s'il vous plaît, avant que j'intervienne. Quand Joshua a vaincu les rois, qu'est-ce qui s'est passé? Il a appelé chaque tribu d'Israël. Ils étaient à 12. Et il a appelé chaque tribu de s'approcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je peux choisir qui? Not you. Forgive me, please. Just mark it, Mark. Right. Wow, you work in the Rhine. Ok, voilà. Quand Josué a vaincu l'ennemi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé les 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas? C'était des rois qu'il a triomphé sur eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, que vous allez vous coucher là. On dormait comme ça. Voilà. Il a dit à chaque chef de tribu de prendre son pied, n'est-ce pas ça, et de placer sur la tête du roi. Ok, chaque tribu. Pour dire que toi qui nous as vaincus, toi qui as triomphé sur nous, toi qui as pris nos femmes, nos enfants, tu nous as servi, et lorsque nous sémions, c'est toi qui venais prendre à la récolte. Lorsque nous avons élevé nos vaches, c'est toi qui venais prendre le premier né ou que Dieu le prenne. Et chaque chef de tribu plaçait, vérifiez ça dans le livre des juges, il plaçait
ça veut dire que vous, vous êtes vaincu, n'est-ce pas? Vous avez imaginé une fois le président Bush, quand il est allé quelque part dans un pays, on a ôté les chaussures, on lui a tapé ça, c'était humilier quelqu'un. OK? Levez-vous. Merci. Tenez-vous debout là-bas. Et à la fin, lorsque ce roi s'est levé, il disait à chaque chef, pasteur Thierry, viens, tiens le micro, il disait à chaque chef, regarde le roi là, n'est pas seulement acclamé. Vous savez, lorsque nous acclamons là, certains n'acclament pas bien parce qu'ils ont l'impression que leur paume de main fait très mal, n'est-ce pas? Mais il disait, il faut regarder le roi dans les yeux et vous déclarer quelque chose. Toi qui as pris ma force, qui as pris tous mes biens, qui as pris mes richesses, lorsque moi j'ai semé, toi, alors que nous récoltions à l'époque de Gédéon, Gédéon était caché, n'est-ce pas ça? Pourquoi il était caché? Parce que les Madianites venaient prendre tout ce qu'il semait. Et lorsque il a vaincu, il est dit qu'il pouvait regarder le roi et faire de déclaration de la victoire. Celui qui a vaincu, c'est Josué, il était là, lui a vaincu. Josué est vainqueur, mais écoutez la nuance. Josué est vainqueur qui a vaincu les rois. Et ceux-là, qui sont de 12 tribus d'Israël, alors ils acclamaient ici, en regardant le roi et en tapant, en acclamant. Toi qui as pris ma femme, qui a pris mes enfants, qui a pris mes filles pour tes femmes. Maintenant, mon roi, mon général, Josué, t'a vaincu. Maintenant, c'est toi qui es maintenant vaincu. Et moi, c'est pourquoi dans Romains, il est dit, en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Wow. Est-ce que mon temps, s'il vous plaît? Lui qui a vaincu est vainqueur. Mais nous, au travers de qui il a triomphé, il a remporté cette victoire, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi il est dit, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Serait-ce la faim, la nudité, l'épée, le péril? Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueur. Est-ce que cet après-midi, il y a un plus que vainqueur? Alors levez-vous et acclamez le Seigneur. Commence à faire de déclarations. Commence à faire de déclarations que vous êtes plus que vainqueur de la maladie, des cancers, de sida, de toute forme de maladie. Vous êtes plus que vainqueurs. C'est là qui ont pensé triompher sur nous. C'est nous maintenant qui sommes plus que vainqueurs. Ni la mort, ni la vie ne saurait me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur. Et alléluia! Alléluia! Veuillez vous rasseoir. Dès maintenant, commencez à faire ça à la maison. Amen. Appelez seulement les enfants, expliquez-les, commencez à clamer. Même si vous manquez tout, mais vous avez tout parce que vous avez celui qui a créé tout. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Marc. Merci. Amen. Nous voulons dire merci aux collègues. Vous savez, lorsque il y a des étapes dans la vie, les enfants, ils sont enfants. Et finalement, ils deviennent fils. Et le fils, il devient celui qui est héritier. Et il n'est pas seulement héritier, il devient collègue. Et il peut aussi prendre des responsabilités. C'est pour nous, non pas un honneur, mais une grande responsabilité que de venir dans cette conférence qui est doublement... qui a une double signification. La première, c'est écouter le rôle de la famille. Et c'est venu vraiment à propos. À propos, pourquoi? Parce que juste après ici, ce n'est pas une petite. L'élément qui va passer après notre message, notre intervention, serait la famille entière. Nous sommes venus de part d'Australie, de part Congo, de part
la Belgique de part et part pour reconnaître notre fils, la grâce que Dieu a placée sur lui. Et tout commence par la famille. Et c'est très singulier, c'est très significatif. Amen. Nous aimerions dire merci au pasteur Douglas, à Thomas, c'est comme ça que je l'appelle. Quoique chez nous, on a beaucoup de difficultés pour reconnaître le ministère. Il y a des personnes qui ont seulement une assemblée quelque part et ils se nomment apôtres. Vous savez, apôtres en quoi? Vous savez, ce sont des choses qui n'existent pas. Vous êtes seulement là, vous tournez là, dans votre assemblée, vous avez seulement votre télévision à vous-même, c'est vous qui êtes l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et vous dites, vous êtes apôtre. Non, non, non. Un apôtre, c'est celui qui va au-delà. Non pas seulement pour apporter la parole de Dieu, mais il est là pour aller implanter. Dans le lieu où rien, Paul a dit, je ne vais pas commencer là où les autres ont commencé. Amen. Il y a aujourd'hui le ministère apostolique dans l'Église. Celui qui est et sera notre père spirituel, quoi qu'il est mort, spirituellement il vit, André-Jacques Vernon, c'est un apôtre. Mais il ne s'est jamais dit qu'il est apôtre. Mais moi-même, je reconnais que mon fils a l'appel apostolique. Moi-même, je reconnais ça. Je reconnais que mon fils, apôtre Pita, il a non pas seulement il s'appelle apôtre, mais il a l'appel apostolique. Amen. Oui, ça, ce n'est pas dans une vision, mais dans ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Amen. Et nous avons des bulldozers ici, comme le Philly et les autres. Celui-là qui est là, c'est le pasteur Thierry. Il était en Suisse et maintenant il a basculé, il est en Belgique. Vous comprenez, il est de la parole de vie, c'est le pasteur Ntimba. Vous comprenez que nous voulons aujourd'hui que l'Europe qui nous a conquis par la colonisation pour venir piller, pour venir prendre nos ressources, mais ils ne pouvaient pas prendre les ressources humaines, le potentiel que Dieu a mis en nous. Nous venons pour eux, non pas seulement pour venir manger les hamburgers, pour venir manger les billes de KFC, pour venir manger quoi encore, les noms que vous connaissez, McDonald's, mais nous sommes venus ici pour conquérir leur cœur. Amen. Vous m'excusez depuis la nuit là, vous savez que lorsque vous avez les flous, c'est les autres et c'est là. C'est tout ce qui se passe de changement de climat. Au Congo, il faisait 34, 35, mais maintenant, ça va. OK. Nous parlons sur la famille selon le cœur de Dieu. La fondation a été fondée par l'apôtre quand il a dit l'origine et la source. Et nous sommes venus pour ajouter quelque chose. Et le pasteur, le docteur, qui est parti au Canada, Maurice, n'est-ce pas? Michaud. Il a parlé dans le domaine des actions, le domaine dans lequel l'ennemi est en train d'agir aujourd'hui pour détruire des familles. Plusieurs domaines. Et la plupart d'entre nous, nous nous sommes retrouvés. Aujourd'hui, il y a certains adultes aujourd'hui qui se comportent mal parce qu'ils ont été mal éduqués depuis l'enfance. Non pas à cause de vous. Vous n'avez pas choisi de venir dans une famille. On ne fait pas le choix de naître dans une famille, n'est-ce pas ça? Mais on subit. On se retrouve seulement dans une famille où il y a un comportement, où il y a une vie, il y a des us, il y a des coutumes, et vous sortez dans cette famille et vous allez subir. C'est comme quelqu'un qui a dit, nous sortons tous des quatre moules. Premier moule que nous sortons, c'est la famille. Écrivez ça. Famille. C'est notre premier moule. Avant même que vous ayez des amis, avant même que vous n'alliez à l'école, avant même que vous choisissiez une religion, avant même que vous soyez en contact avec la société, vous êtes dans votre famille. Et tout ce que vous trouvez dans votre famille,
ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pratiqué, ce qu'ils ont connu. Vous serez victime, soit vous serez vainqueur. Il y a les autres qui portent aujourd'hui les séquelles. Non pas seulement de ça, mais même aujourd'hui sur le plan scientifique, de quelques maladies héréditaires qu'ils ont héritées de parents. Un enfant qui est né, innocent, il trouve un parent qui est sidéant. Et lorsque, aujourd'hui, il y a quand même des méthodes qui permettent à ce que l'enfant soit protégé. Mais à l'époque, certains enfants ne sont pas protégés. Qui sont nés au village, ils ne sont pas protégés. Vous comprenez? Il y a certaines maladies comme la tuberculose qui a été endiguée. Mais aujourd'hui, nous les trouvons. Certains ont vécu ça, ils ont connu ça, ils sont victimes. Certains, au-delà de ça, certains sont liés à cause de ce que les autres ont commis dans la famille. Ils étaient dans l'occultisme. Votre, parce qu'eux-mêmes étaient ignorants. Ils sont nés dans cette famille-là et les parents étaient ignorants. Ils ne savaient pas, comme moi, par exemple, je suis né dans la famille de chefs. Lorsque j'arrive chez moi, au village, sauf maintenant, je refuse ça. C'est-à-dire, dès qu'ils apprennent que Sembe est au port ou à l'aéroport, ils viennent avec les tipoy. Les tipoy pour me mettre au-dessus, non pas dans la voiture, mais ils me portent d'abord avec les tipoy avant que j'entre dans la voiture. Chef. Mais un chef dans un village. Un chef dans une chefferie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et ces chefs, lorsque nous avons découvert que ces chefs, avant qu'ils ne soient intronisés, il fallait qu'ils couchent avec sa propre sœur. Qu'ils couchent avec sa propre tante. L'inceste. Est-ce que vous imaginez ça? Qu'il y ait non pas seulement le sang d'animaux qui sont coulés, mais le sang humain. Et lorsque ces chefs meurent, on ne l'enterre pas la journée pour qu'on ne voit pas ceux qui sont sous lui. On choisit quelques personnes, de pygmées ou qui que ce soit, on les met là-bas vivants et on place le corps du chef au-dessus. Ça s'est fait même en Afrique, dans certains pays d'Afrique, que je ne vais pas citer les noms, pour ne pas vous offenser si vous êtes là dans la salle. Et regarde de pratique. C'est-à-dire, nous n'avons pas choisi de naître dans ces familles, mais nous avons subi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que le Fils, pour ceux qui ne craignent pas l'Éternel, Dieu punit l'iniquité des pères aux fils jusqu'à la quatrième génération. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a arrêté à la quatrième génération. Pour ceux qui ne craignent pas Dieu, il a arrêté à la quatrième génération. Mais il a dit pour ceux qui craignent Dieu, Dieu punit, Dieu bénit cette personne au-delà jusqu'à millième génération. C'est pourquoi à partir de ce séminaire, à partir de cette rencontre, qui est millième génération si le Seigneur ne rentre pas, si le Seigneur ne revient pas, qu'une ligne de démarcation soit démarquée, que c'est fini. Toutes ces choses, des molles précoces, des maladies héréditaires, de quoi que ce soit, de la pauvreté, ça s'arrête là. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Ce sont des choses qui ont été parlées ici, dans cette conférence. Et le pasteur a touché ça. Et aussi, nous sommes venus le vendredi pour toucher que le mari, la famille, vivre une vie dans la famille à cause de ce qui se passe. Nous avons entendu l'apôtre souligner, à cause de ce qui se passe, il faut un choix. Parce que la vie est faite de choix et de décisions. À l'aube, au seuil, c'est-à-dire à la fin de sa vie, de sa spiritualité, pas à l'aube comme au matin, mais au soir de la fin de son ministère, Joshua a appelé tout Israël. Vous pouvez lire ça dans Josué 24. Il a appelé tout Israël pour déclarer, vous Israël, venez, renouvelons l'alliance avec Dieu. Dis avec moi, alliance. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance, il n'est pas le Dieu des contrats. Dieu n'est pas Dieu de contrat, il est le Dieu d'alliance.
Le contrat concerne certains aspects de la vie, mais l'alliance concerne tout homme et tout l'homme. Waouh, vous avez raté quelque chose. L'alliance concerne l'esprit, l'âme et le corps. Mais le contrat, vous signez le contrat avec un boss ou quelque part, c'est pour quelques jours seulement. Vous travaillez 24 heures, n'est-ce pas ça? Combien d'heures par travail? Combien d'heures? 8 heures de travail. Lorsque il ajoute ce qu'il faut quoi? C'est quoi? C'est ce qu'on appelle ça? Des heures supplémentaires. Il doit payer. Ce n'est pas comme chez nous, même s'il y a des heures supplémentaires, on ne paye pas. Il doit payer. Parce que c'est un contrat. 8 heures de travail. Pas au-delà. Mais avec Dieu. Celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'éternité. Je n'ai pas de contrat avec lui, mais je suis dans l'alliance avec lui. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est-à-dire avec mon Dieu, je suis avec lui chaque jour. Il a été avec Jonas, même dans l'eau, dans le sein d'un poisson. Hein? Amen. Amen. C'est un choix. Et lorsque Josué les a réunis ensemble, il a déclaré ceci. Choisissez qui vous voulez servir aujourd'hui. Est-ce que les dieux que nos pères ont choisis ont servi de l'autre côté? Ou bien vous choisissez qui? Mais il a dit, si vous ne voulez pas, moi j'ai choisi, moi et ma maison. Amen. Amen. Il a dit, choisissez qui vous voulez servir aujourd'hui, pas demain. Parce que la Bible nous dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Aujourd'hui, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison. Waouh. Nous servirons qui? L'Éternel. Le mot servir, ça dit nous adorerons l'Éternel. Adorer, ce n'est pas seulement lever les mains, adorer, mais tout ce que nous faisons comme service, c'est une adoration. Si quelqu'un m'entend, s'il vous plaît. Même si vous balayez, c'est une adoration. Il ne faut pas mépriser votre travail. C'est pourquoi Paul a déclaré ceci dans Éphésiens. Il a dit, servez comme si vous servez le Seigneur et non pas les hommes. Que vous serviez comme balayeur, que vous serviez comme celui qui est en train de nettoyer les veillards, que vous soyez même dans la cuisine, vous nettoyez les assiettes. Faites-le, mais un jour, en nettoyant les assiettes, peut-être on va prendre celui qui embrase les fumiers et vous serez assis avec les grands. Parce que le Seigneur prend toujours ceux qui embrasent les fumiers et il les fait asseoir avec les grands. Il prend toujours celui qui marche à pied pour le faire monter sur le cheval. C'est notre Dieu. Amen. Amen, c'est un choix. Et aujourd'hui, nous avons touché un point ce jour-là. Qu'est-ce que c'est la famille? Ce que nous voulons partager avec vous, c'est Dieu est la source de toute famille. C'est Dieu qui est la source. Et lorsque cette nuit, j'ai prié au-delà de ce que je comprenais, les familles dans les cieux sur la terre tirent leur nom de Dieu, tirent leur source de Dieu. Et le mot famille, c'est le mot d'abord patria. Le mot patria, écrivez comme vous entendez là, qui a donné le mot de pater et qui a donné père. Il n'y a pas la famille sans un père. OK? Il n'y a pas aussi une famille sans une mère. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous êtes les deux hommes et que vous voulez adopter un enfant, ce n'est pas votre enfant. Si vous êtes aujourd'hui les deux femmes et que vous voulez adopter un enfant, ce n'est pas votre enfant. Il n'est pas de votre lignée. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Il faut qu'il y ait un père. Le père qui a ce qu'on appelle, qui a la semence. Et la mère qui a le récipient. Waouh. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble?
Ça dit, le mot famille veut dire patria, pater ou père. C'est l'homme qui a cette semence. Et lorsque Dieu a créé l'homme, la femme était dedans. Chose qui est grave, c'est qu'il les appela tous du nom d'homme. C'est pourquoi il ne faut pas être offensé, ma sœur, lorsque dans une réunion, on ne parle pas d'une femme, vous êtes dans l'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Il y a certains aujourd'hui qui souffrent d'une maladie de la complexité, des complexes d'infériorité, hein, de parité, hein, qui ont des mouvements, des mouvements féministes, hein, des mouvements d'émancipation de la femme. C'est un complexe. Dieu vous a déjà émancipé parce que vous étiez dans l'homme déjà. Amen. Et la preuve est que lorsque Dieu a pris son souffle, il a mis dans l'homme, lorsque Dieu a créé la femme de la côte qu'il a prise de l'homme, Dieu n'a pas mis son souffle. Wow. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a mis le souffle dans l'homme. Pouf. Le souffle là qu'il a mis, ce n'est pas l'oxygène, c'est le roi. Il a soufflé. Pouf. Et immédiatement, les reins, les yeux commençaient à cligner. Ainsi de suite. Cet homme a mon image, à ma ressemblance. Il est dit dans la Bible, dans les psaumes 104, celui qui a fait les yeux ne voit-il pas? Celui qui a fait les oreilles n'entend-il pas? Celui qui a fait le pied ne marche-t-il pas au milieu de son peuple? Sa main est puissante. C'est-à-dire Dieu qui est esprit mais qui a ces choses-là. Ce qui a fait l'homme, ce n'est pas la masse de la terre, mais ce qui a fait l'homme, c'est le souffle. Amen. C'est pourquoi Job va dire, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle de l'Éternel qui donne quoi? L'intelligence. Et il dit que l'Esprit du Seigneur m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Frères et sœurs, ne considérez pas plus ce que vous êtes humainement parlant, mais cherchez la dimension spirituelle. C'est pourquoi la plupart aujourd'hui sont dans des sociétés ésotériques. Ils sont dans les confréries mystiques, des voyages astrales. Ils utilisent les somas. Mais il n'utilise pas l'esprit. Tu peux voyager astralement parlant, mais le jour de ta mort, tu es là. Mais voyager. Voyager. Ils viennent dans les églises. Moi, j'ai parlé à quelqu'un qui est venu dans l'église. Il dit, mais toi, tu es malheureux, frère. Tu as une montre qui peut te dire que lorsque vous voyez rouge, c'est le sang, tu ne peux pas sortir. Et lorsque vous voulez... vous réveillez de votre lit, il faut vous réveiller avec le pied gauche. Mais le pied, si vous êtes ici au lit, mais le pied qui est le premier, c'est quoi? C'est le pied droit. Mais vous allez souffrir pour rien, pour tout. Pour que vous puissiez vous réveiller par la main. Esclave, dis avec moi esclave. Mais la Bible nous dit que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Le souffle, c'est pourquoi quand il a mis le souffle, il fait sortir la femme. Dieu n'a pas mis le souffle dans Ève. Attention, ma sœur. Lorsque vous vivez avec Marie, avec Bernadette, avec Joseph, avec Bruno, avec Pierre, avec Peter, avec Mary. Celui que vous voyez là a le souffle de Dieu. Amen. Et vous n'aviez pas ce souffle sans le souffle qui était en lui. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Je dis toujours à ma femme, la Bible dit qu'il n'y a pas de femme sans homme. Il n'y a pas d'homme aussi sans la femme. Amen.
C'est pourquoi David va dire, lorsque j'étais une masse informe dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant que Candide n'existât. C'est-à-dire, là dans le sein, la femme, lorsque Adam voit la femme, il appelle Ève, porteuse de la vie. Prophétiquement parlant, comment il savait? Quand Dieu lui a dit, soyez féconds, multipliez. Elle va dire, non, c'est la porteuse de la vie. Mais la vie viendra de qui? De l'homme. Et la femme va faire quoi? Va porter cette vie-là. C'est une association. Notre premier associé dans notre union, ma femme, c'est mon partenaire. C'est pourquoi dans l'église, il y a certains qui souffrent d'une maladie. Oh non, la femme du pasteur là est en train d'exagérer. Ma femme est en train d'exagérer. Mais nous ne sommes pas deux, nous sommes un. Sauf qu'elle a une grâce que moi je n'ai pas. C'est pourquoi le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image, mais lorsqu'il a dit à la femme, faisons quoi? Une aide, un autre, mais qui n'est pas lui, mais qui est lui. Faisons une autre qui n'est pas lui, mais qui est lui. C'est-à-dire qui a de grâce et de potentiel qui ne sont pas dans l'homme. C'est pourquoi, lorsque nous travaillons, il y a la complémentarité. C'est pourquoi, même dans Ecclésiaste, il va dire, les deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre peut le relever. Si vous êtes assis à côté de votre femme, tiens-la très fort, tiens-la. Et si elle n'est pas là, touchez le cœur. Le célibataire est touché ici parce qu'il vient bientôt. Le célibataire est touché aussi ici parce qu'il vient bientôt. Si vous ne commencez pas à prier, vous allez chercher maintenant celui qui a la voiture, celui qui a beaucoup d'argent. Mais il n'est pas un autre vous-même. Il peut avoir beaucoup d'argent, il peut avoir des voitures et des maisons. Mais lorsque vous entrez dans sa maison, vous serez avec l'argent, vous serez avec la maison, mais pas avec l'homme. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'éternité. Mais vous n'êtes pas avec votre mari, avec votre femme tous les jours. Mais vous pouvez être distant, même si elle est au travail. Là où elle est, coup de téléphone. Chérie, comment ça va là-bas? Ça marche. Comme avec ma femme, même au bureau. Le matin, avant de quitter, je lui ai appelé, chérie, je suis là aujourd'hui, mais ma veste est en train de poser un problème aujourd'hui avec les boutons. Parce que ta fille, avec ce qu'elle fait là, je dis, je suis en train de... Mais je ne vais pas aussi le foncer. Même hier, ils m'ont appelé le soir, j'ai dit à ma fille, pardonne-moi s'il te plaît. À 21h, je ne saurais pas manger. Est-ce que... Bon, je vais rester un jour ici à Paris à cause de toi. Amen. Amen, nous passons. Patria, retenez ça. Patria veut dire père. Amen. Le mot utilisé pour la lignée. Le mot famille aussi, c'est la lignée de. Vous sortez de quelle lignée? La Bible nous dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 26. Il est dit que Dieu a fait que tous les hommes issus d'un seul sang. Dis avec moi, issu d'un seul sang. Habitat, c'est sur toute la surface de la terre. Il a déterminé les bornes de leur demeure. Dis avec moi, les bornes. Et aussi, la durée de leur temps. Tous les hommes qui sont sur la terre sont issus d'un seul sang. Je vais vous poser la question. La terre a combien de couleurs? La terre a combien de couleurs dans la salle? Hein? La terre a plusieurs couleurs. Il y a jaune, quatre couleurs, n'est-ce pas? Et le sang, on a combien? C'est-à-dire, le sang qui circule dans votre corps, 45 tours par minute,
C'est le sang qui vient d'un seul homme. Là, on a prouvé ça scientifiquement parlant. Dans un journal, j'étais aux États-Unis, dans un journal qu'on appelle New York Times, on a découvert que la plus petite particule qu'on appelle ADN, qui est dans tout homme qui est sur la face de la terre, vient d'un seul homme. Avant même ces choses, c'est Lincoln qui a compris. Il n'a pas été dans cette université avant même que cette découverte ne sorte. Lincoln a dit, il a aboli l'esclavagisme. Avant même que ces choses ne sortent, un jour, nous parlons de Mandela, mais nous oublions de Klerk. De Klerk qui était le pasteur, était le président en Afrique du Sud, qui a déclaré que tous nous sommes de la race de Dieu. Pourquoi nous devons faire l'apartheid? L'apartheid, c'est un complexe. Et le racisme, c'est un complexe. Amen. Il n'y a aucune race supérieure. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Un jour, j'étais aux USA. J'ai parlé avec des bien-aimés. Je lui ai montré la couleur. Donne-moi la couleur là. J'ai dit, c'est quelle couleur? En anglais, ils m'ont dit, non, it's black. C'est noir. Et je lui montre encore. C'est quelle couleur? Il dit, blanche. Et après, je regarde. And me. My color. Je suis qui? I'm black? Oh, no. And you? You are white? Oh, no. Mais why? Vous comprenez ça? C'est un complexe. Parce que lorsque Jésus-Christ est venu, il a racheté les hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Il a fait de nous un royaume de princes et de sacrificateurs. Nous régnerons sur la terre. Une église qui est fondée sur le racisme, ce n'est pas une église, c'est une coterie. C'est un club. Amen. C'est la lignée. Par exemple, la lignée de David. Pour désigner aussi des races. La famille peut désigner aussi des nationalités. C'est pourquoi nous disons dans Éphésiens, notre texte de base. Je vais aller très vite. Lisez avec moi Éphésiens, le chapitre 3e, le pasteur lisait. Maintenant, nous allons lire nos deux textes de base. Éphésiens, le chapitre 3, le verset 15. Qu'elle tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ici, c'est Paul. C'est Paul qui se trouve dans la lettre ici, lorsque vous voyez certaines lettres, lorsqu'on écrivait à certaines églises, on mettait seulement le point, on ne mettait pas le nom d'une église, pour que cette lettre qui était des lettres circulaires, on puisse ajouter le nom de la ville dans laquelle la lettre est parvenue. Et dans cette lettre aux Éphésiens, Paul dit ceci, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, soulignez ça bien dans votre Bible, tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Toute famille qui sont où? Avec moi ensemble, qui sont où? Dans les cieux. Et sur la terre. Vous savez, le Saint-Esprit nous enseignera vraiment. Cette nuit, je disais, mais dans le ciel et sur la terre, est-ce que les anges
Et quelqu'un devant cette Bible, aujourd'hui dans les petites heures du matin, il a dit, non, réfléchissez un peu. Dans le ciel, Dieu n'a qu'un fils unique. Il avait autrefois un fils unique et le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 1er, qu'il n'y a aucun ange que Dieu appelle fils. Mais quelle est la famille de Dieu? Tout tire leur nom, c'est qui? Et c'est là. Et sur la terre, c'est qui? Et là, clairement, je vais écouter cet enseignant par excellence qui dit, vous savez qu'avant que l'homme ne soit matière, il est d'abord spirituel. Dans les cieux, sur la terre. C'est-à-dire, Dieu a d'abord créé et il est venu former. Nous sommes ensemble. Dieu a créé, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il avait déjà une idée. J'ai des constructeurs ici, j'ai des ingénieurs ici. Avant de concevoir quelque chose, il y a d'abord une idée. Après une idée, il y a une pensée. Après une pensée, un concept. Et vous allez mettre ça par écrit. OK? Dieu a eu ça. Il avait ça. Il avait l'homme en lui. Et comme il avait cet homme, il a créé là où il était. Et puis après quoi, il vient le former. C'est pourquoi il y a toujours ces noms. Le mot bara veut dire créer. Là où il n'a rien du tout. C'est ce que Dieu a fait. Il a pensé à l'homme. Et il avait l'homme, un architecte. Lorsque nous voyons les bâtiments s'élever, non, ces bâtiments-là n'ont pas commencé quand ils ont commencé à poser la fondation. C'était d'abord une idée et ils ont conçu ça dans un plan. Et l'architecte vient, il dit, non, posez-moi ça. Amen. Et si vous pouvez acclamer le Seigneur que vous êtes un chef-d'œuvre de Dieu. Et dans Apocalypse 12, il est dit, réjouissez-vous cieux et ceux qui habitent dans les cieux, mais malheur à la terre, car le diable est descendu avec une grande fureur. Qui sont dans les cieux qui se réjouissent. Et la Bible nous dit encore, parce qu'on ne peut pas statuer un cas, à moins qu'il y ait des positions de deux ou de trois témoins. Troisième témoin, la Bible nous dit aussi, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de Colossiens. Il nous a ressuscités ensemble, Éphésiens. Et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans le lieu céleste. Dis avec moi, dans le lieu céleste. Et il est dit que si vous êtes mort en Christ, pensez aux choses d'en haut. Car votre vie est cachée. Waouh! Votre vie est cachée avec Christ sur la terre. Amen. Colossiens chapitre 3. Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, vous qui êtes dans les cieux, mais vous êtes ici en France. Un ciélois au Congo. Un ciélois au Congo. Un ciélois en France. Un ciélois en Ouganda. Un ciélois au Rwanda. Un ciélois en Belgique. Mais si vous êtes toujours un Belge, vous serez influencé par les lois de ces nations-là. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? C'est pourquoi lorsque ces lois sont là, l'exemple est que, comme l'apôtre avait dit, vous y sont dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je ne prie pas pour ceux du monde, mais je prie pour ceux-là que tu m'as donné dans le monde. Ils sont dans le monde, cosmos. Écrivez ça. Mais ils ne sont pas du monde système. You hear me?
Ils sont dans le monde. Je vis comme tout le monde. Je mange les chanchards comme tout le monde. Nous entrons avec tout le monde dans le même magasin. Mais je ne vis pas comme eux. Moi, je vis les valeurs des lois du royaume de Dieu sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Un exemple, je pourrais vous donner un exemple trop simple. C'est pourquoi Daniel, on a cherché à attaquer Daniel dans toutes les lois qui concernaient. On n'a pas pu. Et lorsqu'ils ont dit que personne ne prie, Daniel a dit, waouh, vous allez dépasser. Vous avez dépassé les bornes. Frères et sœurs, il y a des choses. Nous vivons dans un monde où il y a des systèmes, mais il y a certains systèmes qui font affront à Dieu. Un système où ils votent l'homosexualité et l'Église ne parle pas. Je vis dans le WhatsApp et un pasteur en Angleterre, si quelque part. On est en train de le poursuivre par des gens. Hey, pasteur, pourquoi tu fouilles? Pasteur, pourquoi tu suis? Pourquoi, pasteur? Parce que le pasteur fustige sur ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Peur de qui? Ces gens-là ne sont pas des malades. Ces gens-là n'ont pas un problème de qui que ce soit. Ce sont des personnes possédées et ce sont des personnes qui ont besoin d'être délivrées parce qu'ils ont changé la gloire de Dieu en mensonge. Ils ont changé l'image de Dieu en image incorruptible. Ils se sont accouplés dans des valeurs qui ne sont pas de Dieu. Ils ont trouver l'usage d'un homme au lieu d'une femme. Au lieu de l'usage d'une femme, ils ont usé un homme. Ça, ce sont des malades spirituellement. Ce sont des psychopathes. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Ils n'ont pas besoin d'autre chose. Ils ont besoin seulement. Nous devons les aimer. Christ est venu pourquoi? Écoutez le ministère de Christ, premièrement, qu'est-ce qu'il a dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir le cœur brisé. Et pour faire quoi encore? Pour délivrer les captifs. Pour renvoyer libre l'opprimé. C'est le ministère de l'Église. Le ministère de l'Église, ce n'est pas seulement chanter. Ce n'est pas seulement nous venons ici et nous sortons. Écoutez-moi bien, que ces lois soient votées ou pas. C'est pourquoi même dans certaines nations, même dans certaines lois, même chez nous, il est dit, chacun peut se marier avec une personne de son choix pour former une famille. Ça veut dire quoi? Ils ouvrent une porte directement à ces méthodes anti-valeurs bibliques. Vous comprenez ça? Et ces lois sont en train de venir. Certaines nations sont en train de les fustiger pour dire que vous ne pouvez pas vivre ces choses. Lorsque vous ne vivez pas, il n'y aura pas d'aide. Oui, arrêtez-vous avec l'aide, car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si nous allons obéir à Dieu, Dieu va faire descendre son argent. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Peu importe, j'ai des amis qui viennent. Nous venons de dédicacer notre temple. Et j'ai reçu plus de 15 étudiants américains qui sont venus en stage. Et ils m'ont demandé, mais pasteur, comment tout ceci, vous êtes en train de faire quoi? Vous avez pris des crédits en banque? J'ai dit non, c'est cash. Comment cash? Je leur ai dit ici, dans notre quartier, ici, c'était un bon lieu à Massina, c'était un bon lieu. Nous ne sommes pas à Gombe. Où il y a des grosses poissons. Mais nous avons des gens qui ont l'offrande de la veuve que le Seigneur a agréée. Au-delà des superflus de ceux qui ont beaucoup. Quelqu'un m'a entendu, s'il vous plaît? Je leur ai dit, c'est ceux-là qui sont là. Ils sont étudiants. Ils sont des personnes qui vendent du pain et de braise. Et quand ils donnent, nous les présentons à Dieu. Dieu le multiplie. Et quand ils viennent, ils trouvent les briques, ils trouvent ça, ils trouvent ça, ils trouvent ça, ils trouvent ça. Et voilà ce que vous êtes en train de voir. Ils disent, wow, it's amazing. J'ai dit, non, vous n'avez pas encore étonné, vous serez étonné encore. Amen.
toutes les familles de la terre tirent leur nom de Dieu. Dites à quelqu'un, je tire mon nom de Dieu. Quoique je porte le nom de ma famille, mais d'abord, je suis un être spirituel. Si vous connaissez ça, frères et sœurs, vous n'aurez pas affaire avec vos parents. Avec des enseignements aujourd'hui qui nous disent que ma mère est sorcière, celle qui m'a porté autant d'années dans le sein de ma mère, si elle n'a pas pu me tuer, est-ce qu'elle aura l'occasion de me tuer? Mais pourquoi dois-je haïr ma mère? Pourquoi dois-je haïr mon père? Il y a des enseignements, des doctrines qui ont détruit des familles. S'ils étaient dans des nations, il y a des lois, ils devaient aller dans les prisons. Même s'ils ne sont pas allés dans les prisons des hommes, ils seront dans les prisons de Dieu. Parce que celui qui touche la famille, touche à qui? Touche à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Ça, c'est la dimension de la famille. C'est-à-dire, nous sommes des êtres spirituels. Des familles qui sont dans les cieux, sur la terre. C'est-à-dire, vous êtes spirituels et Dieu a amené sur la terre pour accomplir les plans de Dieu sur la terre. Pour accomplir le dessein de Dieu. Un exemple, je te donne. Jérémie, lorsque le Seigneur l'appelle, qu'est-ce que Jérémie dit? Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Avant que tu ne sois connu, concis dans les seins de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Les parents qui voyaient Jérémie, ils voyaient seulement un enfant qui vient de naître, mais ils ne connaissaient pas le projet de Dieu sur cet enfant-là. C'est pourquoi faites attention aux enfants. Comme nous venons d'entendre ce matin. Et la Bible nous dit aussi, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. C'est que Dieu n'a pas de projet de malheur pour vous. Dites à quelqu'un, Dieu n'a pas de projet de malheur. Il a des projets de paix et de bonheur. Mais il a dit, non pas seulement ça, mais il a dit, si vous m'invoquez, et si vous m'invoquez de tout votre cœur, vous me trouverez. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans Ésaïe, prenons un autre texte. Écoutez Israël, nous prenons l'exemple. Quel est notre modèle? Premier point. Nous tirons notre modèle de qui? Ésaïe 51. Le verset 1er jusqu'au verset 4e. Lisez s'il vous plaît. Lisez, pasteur. Ésaïe 51. Ésaïe 51, à partir du verset 1er. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Vous qui poursuivez la justice. Qui cherchez l'Éternel. Qui cherchez l'Éternel. Portez le regard sur le rocher d'où vous avez été. Soulignez-moi, portez le regard sur qui? Le rocher d'où vous avez taillé. Vous avez été sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Voilà. Ainsi, lui seul, je l'ai fait quoi? Appelé. Je l'ai appelé. J'ai fait quoi encore? Je l'ai béni. Je l'ai béni et j'ai fait quoi? Je l'ai multiplié. Un seul homme. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden. Il va changer de choses. Et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Mm-hmm. Et la joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Des actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi. La loi sortira de moi et non pas des sénats et des parlements. Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Amen. La loi de Dieu, c'est la lumière de qui? Et si le peuple ne marche pas selon les lois de Dieu, ils sont où? Dites à quelqu'un, ils sont dans les ténèbres. C'est pourquoi vous pensez que les gens sont dans la lumière, ils sont dans les ténèbres. Parce qu'un homme normal ne peut pas voter des lois qui sont contre nature. Même les bêtes qui sont dans la forêt n'ont pas cela. Vous ne trouverez jamais les animaux
s'accoupler entre les mâles. Vous ne trouverez jamais. C'est plus que la bestialité. C'est un avilissement. Et nous appelons ça civilisation. Écoutez, frères et sœurs, la civilisation, ce n'est pas l'habillement. La civilisation, ce n'est pas une maison. La civilisation n'est pas le nombre de diplômes que l'on a. La civilisation, c'est des valeurs. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Ce sont des valeurs. Mais ces valeurs-là, si ces valeurs ne sont pas des valeurs de Dieu, cette nation est appelée à disparaître. C'est pourquoi dans le passage des bases de cette conférence, comme au temps de Noé, les hommes bâtissaient leur maison, mariaient leurs enfants. Et ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire jusqu'à ce que le cataclysme ait tombé sur eux. Comme au temps aussi de Lot, ils mariaient leurs enfants. Ils faisaient ceci jusqu'au jour où Sodome et Gomorre étaient détruits. Mais Dieu avait sauvé seulement une personne. Et Lot sauvé, Dieu lui dit, montez vers la montagne. Job dit, non, non, donnez-moi ici, ce n'est pas la montagne. Vous savez, il va choisir un lieu. Et là, dans ces lieux-là, ses filles vont l'enivrer parce qu'il n'avait personne. S'il allait à la montagne, il ne sait pas ce qui était là-bas. Peut-être qu'il y avait une seule personne qui était là, qui pouvait aller marier ses enfants. Parce que Dieu, il est Dieu, il peut cacher même une personne comme il a fait lorsque Élie a prié. Seigneur, je suis resté seul. Mais Dieu lui a dit, tu n'es pas seul. J'ai encore 1000 autres que j'ai cachés qui n'ont pas fléchi leurs genoux au bal. Est-ce que vous pensez qu'il y avait seulement l'autre? Dieu, pourquoi il pouvait dire à l'autre, allez à la montagne. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui l'attendait là-bas. Lui a choisi un autre endroit. Et finalement, en choisissant cet endroit-là, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'était une catastrophe. Ses propres filles ont dit, non, non, nous n'avons pas une lignée. Alors, enivré, nous allons donner, placer notre papa dans l'ivresse. Aujourd'hui, il y a des papas qui sont des maniaques sexuels, qui abusent leurs propres filles aujourd'hui, qui détruisent leurs propres enfants. Comprenez ça? Et l'autre s'est enivré. Et quelle est la descendance qu'il a fait? Ce sont des Moabites, des Ammonites, qui sont devenus des ennemis d'Israël. Il y a des Moabites et des Ammonites aujourd'hui. Dans les pays et dans les nations, civilisés soient-ils. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut être content de ce que vous êtes. Amen. Être content de votre famille. Ne minimisez pas votre famille. Dieu peut prendre une personne dans la famille pour bénir une nation. Comme il a fait avec Abraham, il a pris Abraham. Et aujourd'hui, nous avons Israël. Il peut te prendre, mais de faire de toi une source de bénédiction. Dites à quelqu'un, il y a certaines personnes qui n'attendent que vous pour qu'ils soient bénis. Parlez bien, tournez à côté. Dites à quelqu'un, ne mourrez pas avec ma bénédiction, ne mourrez pas. Parce qu'il y a les autres qui ne veulent pas ouvrir leur cœur et qui veulent aujourd'hui demeurer un obstacle pour la bénédiction des autres. Aujourd'hui, nous avons cette la résurrection parce que ce jeune homme était à l'école du dimanche. Il a appris à jouer le piano. Il ne savait même pas qu'il va se marier avec une femme qui chante. Il jouait et son coach, il est là-bas au Congo. Mais lui est en France. Il est venu ici en France et discasse. Il a fait back home. Il est rentré au Congo. Après son doctorat, il est rentré au pays, il enseigne à l'IPEN. Mais son fils, qu'il a appris le piano, marié avec une chanteuse, quand elle chante, l'onction descend dans l'église. Mais le piano, il a appris quand il était à l'école du dimanche. Et on ne peut pas acclamer le Seigneur pour ça. Et au travers de cela, tous ces jeunes frères sont venus. Et les autres sont là. Ils sont là. Et celui-ci aussi, son beau frère.
La femme qu'il a mariée l'a trouvée à l'église à l'arche. Vous comprenez ça? Il y a un autre qui est là-bas au fond. Ça. Ses parents l'ont amené. Regarde, il a, l'onction a vidé tous les cheveux qui sont là. Et tous les autres qui sont ici, regarde, il y a des ingénieurs ici qui sont là. Lève-toi, Pierre, et les autres. Les banjas sont là avec les filles qui sont là. Nous avons un beau fils qui est pasteur. Aujourd'hui, si tu étais ça, regarde. Vous voyez tout ça. Et ils sont venus pour dire que nous allons rendre témoignage. Il y a Moro qui est là-bas avec sa femme, maman Chantal. Ils ont des enfants. Ça, vous comprenez? J'ai vu Rebecca ici. Toi là. Où est Tangabata? Hein? Où est-ce que... Oh! J'ai vu Dikemba. Dikemba, il est là. J'ai vu Willy. Willy avec là. Hey, levez-vous. Celui-là, maintenant, c'est le moniteur de l'école du dimanche. Il faut que tu viennes aider ceux qui sont responsables ici de l'école du dimanche. Sa femme, Willy avec sa femme. Voilà. Ils sont venus pour dire que nous venons rendre témoignage. Ce n'est pas seulement le pasteur lui-même qui est venu, mais ils sont venus rendre témoignage qu'ils reconnaissent la grâce de leurs frères. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur ensemble? Amen. Tirez le regard vers le rocher d'où vous avez été taillé. Le rocher, c'est Jésus-Christ. C'est lui le rocher des âges. Tournez le regard vers lui. Et sur Abraham, votre père, et Sarah, votre mère, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Frère, notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Amen. Écoutez-moi, l'Église. Ce n'est pas le berger qui multiplie le troupeau. C'est le troupeau qui se multiplie entre eux. Wow. Je l'ai béni. Je l'ai fait quoi? Fais comme ça si ton frère, je l'ai béni. Fais encore une fois si l'autre, je l'ai béni. Vous n'êtes pas sous la malédiction, vous êtes sous la bénédiction. Il a dit, je l'ai béni. Vous êtes ici dans le meilleur endroit, là où il y a la bénédiction de Dieu. Amen. Moi, je ne fais pas une comparaison parce que notre ministère n'est pas un ministère de comparaison, c'est le ministère de compassion. Amen. Nous ne nous comparons à personne, ne me compare à personne, à ces quadribishops, à ces tribishops, parce que moi je ne suis pas là. Ne me compare jamais. Je suis unique. Je suis unique, et ce que je suis, vous n'êtes pas, et ce que vous êtes, moi, je ne suis pas. Amen. Amen. Sur Abraham, votre père, je l'ai béni, je l'ai multiplié. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion. Sion, ce sont ceux qui craignent l'Éternel. Sion, ce sont ceux qui prient. Il a pitié de toutes ces ruines. Les ruines de la famille aujourd'hui, Dieu a pitié de ces ruines-là. Qui se passe dans les familles. Dieu a pitié des ruines. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait lorsque nous nous retournons? Nous nous détournons et que nous revenons à lui. Il rendra son désert semblable en Éden. Amen. Dieu va changer des choses dans votre foyer. Il va changer des choses dans votre vie. Il va rendre cela comme Éden. Amen. Et sa terre aride en un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et les chants des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête l'oreille, car la loi sortira de moi. Amen. Et j'établirai ma loi pour être la lumière de la nation. C'est la loi de Dieu qui est la lumière. C'est pourquoi dans Ésaïe 61, il a dit, « Lève-toi et brille, les ténèbres couvrent l'humanité, l'obscurité le peuple, mais sur toi la gloire, Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élèvera sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît, des nations marchent. » À ta lumière.
et de roi à la clarté de tes rayons. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, il faut que les autres, les nations, veut dire quoi? Le mot nation, hein? Écrivez ça. Le mot nation, premièrement, c'est ethnos. C'est le groupe ethnique. Deuxièmement, le mot nation veut dire groupe linguistique. Troisièmement, le mot nation veut dire groupe social. C'est pourquoi nous avons des enfants, nous avons des adolescents, nous avons des mamans. Nous organisons ces ministères dans l'église à cause de cela. Nous avons groupe linguistique, groupe ethnique, groupe linguistique et groupe social. Nous avons des hommes d'affaires. Il faut que nous ayons des businessmen. Il faut que nous ayons des professeurs, des chimistes, de qui que ce soit, des architectes dans notre église. Ils sont là pour que lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, un frère a trouvé un travail quelque part, au lieu d'aller chercher un monankasi quelque part, qui viendra te torpiller. Vous cherchez un frère, et toi le frère qu'on a cherché, ne venez pas mettre le pot de banane sur le frère. Amen. Amen. Écoutez ce qu'Israël dit. Je vais atterrir. Ésaïe 63, verset 15. Oh, j'aime ça. J'aime ça lorsqu'Israël a dit. Ils ont dit, oh, nos parents nous ont parlé d'Abraham. Ésaïe 63. Ils nous ont parlé d'Abraham. Ils nous ont parlé d'Abraham. Mais ils nous ont parlé d'Abraham. Mais Abraham ne nous a pas connus. Lisez, s'il vous plaît. Chapitre 65, le verset 15. À partir du verset 15 jusqu'au au chapitre 64, verset 1. 63 ou 65? Non, 63, verset 15 jusqu'à 64, verset 1. Vous savez, certaines paroles, ce sont des paroles qui traversent les chapitres qui sont seulement des émanations des hommes. Ok. Ésaïe chapitre 63, partie verset 15. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte. Regarde du ciel que Dieu voie de sa demeure sainte. Et glorieuse. Et glorieuse. Où sont ton zèle et ta puissance? Et ta puissance. Le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Voilà tu es quelqu'un cependant qui crie ce soir. Peut-être vous passez des nuits sans dormir dans votre relation, dans votre foyer, là que vous êtes. Où sont tes compassions, Dieu? Où sont, Seigneur, ton pitié, ton amour? Continuez. Verset 16. Tu es cependant notre Père. Tu es cependant qui? Notre Père. Notre Père, Patria. Car Abraham ne nous connaît pas. Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père. Qui est notre Père. Qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Notre Sauveur. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies? Et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. C'est comme le Congo. On a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Et nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Tu ne gouvernes pas. Et qui n'est point appelé de ton nom. De ton nom. Même l'église aujourd'hui. Nous avons plus d'église. 95% des chrétiens. Mais quelle influence! Continuez. Oh, si tu déchirais les cieux. Oh, si tu déchirais les cieux. Et si tu descendais. Et si tu descendais. Les montagnes s'ébranleraient devant toi. Continuez, 64, verset 1. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau du qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Alléluia. Alléluia.
Oh, si tu déchirais les cieux, que Dieu déchire les cieux ce soir pour quelqu'un qui est dans cette salle. Que Dieu déchire les cieux et qu'il réponde du haut des cieux, qu'il intervienne dans votre situation, dans votre vie. Et on ne peut pas devenir des vagabonds spirituels pour aller par-ci, par-là, pour aller chercher les délivrances. La délivrance est en celui qu'on a abandonné. Lorsqu'on revient à lui, lui reviendra vers nous. Que le Seigneur vous bénisse et nous accorde sa grâce. Oh, si tu déchirais les cieux, que Dieu déchire les cieux. Il a déchiré les cieux un jour dans le Jourdain, alors que son fils était là. Le ciel qui était fermé des années et des années. Cette colombe qui a traversé depuis Noé et qui est partie, qui est rentrée. Il était toujours là. Il est venu pour parler à Siméon. Le Seigneur peut parler même si les autres n'écoutent pas la voix. Il est venu ce jour-là. Il a couvé le sein d'une vierge qui ne connaît pas d'homme, Marie. Et l'enfant a été conçu dans le sein maternel. Cet enfant qui s'appelle Jésus. Et lorsque il était plongé dans l'eau, alors qu'il pria, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvre dans la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Dieu peut ouvrir le ciel par la prière de ceux-là qui l'écoutent. Qu'il ouvre, même quand vous allez rentrer à la maison, ployez les genoux. Vous avez entendu toute la semaine, notre temps ici est tellement limité, mais à la maison, vous avez la latitude de ployer les genoux. Seigneur, ce qui a été hier ne peut jamais, ne plus jamais me poursuivre, moi et mes enfants et ma famille. Que ceci s'arrête. À partir de moi, plus de mort précoce. À partir de moi, plus d'abaissement. Car l'élévation ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident. C'est l'Éternel qui élève l'un et abaisse l'autre. Pourquoi il y a toujours les autres qui sont promis et non pas moi? S'il n'y a pas d'enfant, celui qui fait enfanter les biches, il a donné les enfants à Sarah. Dans la vieillesse, il est capable de vous donner un enfant. Qu'il ouvre le ciel. Et il a ouvert le ciel aussi le jour de la Pentecôte. Et depuis ces jours-là, le Saint-Esprit n'est plus parti au ciel. Quoi qu'il est au ciel, il est sur la terre. Il remplit le ciel et la terre. Le Saint-Esprit œuvre maintenant avec l'Église sur la terre. Il était parti avec Jésus. Il a accompagné. Et quand il a accompagné Jésus, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Il a répandu cet esprit sur la terre. Depuis le jour que le Saint-Esprit est descendu, il n'est plus parti. Il continue la mission de Jésus avec nous. Qu'il continue cette mission. Qu'il vient briser le joug. Qu'il vient nous conduire dans toute la vérité. Qu'il vient nous enseigner. Qu'il vient nous délivrer. Qu'il vient prier en nous, même si nous ne savons pas prier. Levons-nous ensemble, s'il vous plaît. Restons calmes, levons-nous ensemble et levons seulement votre main. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans votre vie. Quelque chose que le Seigneur est en train de briser. Celui que vous voyez devant vous, c'est un petit orphelin dont le papa est mort à 4 ans. On était 9 enfants, il n'avait même pas personne pour s'occuper de nous. Mais un jour, nous étions dans une compagnie que papa était comme un chef de tous les ouvriers qui travaillait le caoutchouc pour les Belges.
Et quand papa est mort, on nous a ramenés au village. Nous qui étions ensemble avec les petits blancs, nous avions des petits vélos. Mais on ne pouvait plus échanger ces petits vélos parce que papa n'est plus là. Mais un jour, cette dame-là, qui avait cru et qui a compris, elle nous a dit un jour, même si votre papa était vivant, il ne saurait pas satisfaire à tous vos besoins. Mais si vous avez Dieu comme père, le père des orphelins, le défenseur de la veuve, il vous prendra en charge. C'est ce Dieu-là. Mon père n'a traversé que sa province seulement. Il n'est même pas arrivé dans le siège de la société qui s'est trouvée à Sekli. Il n'est pas arrivé même dans la capitale du pays. Son nom était limité seulement dans son village. Pour ceux-là qui l'ont connu, certains, même qui l'a aidé, ne pouvaient pas nous aider, même ses propres familles. Mais nous croyons, lui nous a pris en charge. Il est capable de vous prendre en charge. David disait, même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueillera. C'est Dieu-là nous a pris en charge. Et ce papa-là qui est mort, son nom n'a pas été connu. Aujourd'ui, celui qui porte son nom est connu aujourd'hui en Australie, son nom est connu en Amérique, son nom est connu en Asie, son nom est connu en Europe, son nom est connu ailleurs. Et lorsqu'on parle de nom de Sembe, mais Sembe c'est qui? Mais Sembe c'est ce petit orphelin. Frères et sœurs, tu es né pour un but, pour une mission. Et Dieu est capable. Dieu est capable. Celui de qui tire le nom dans le ciel et sur la terre. Il suffit seulement que ces points de contact soient en Jésus. Le ciel vient en contact avec la terre par Jésus. Il a réconcilié l'homme avec lui-même par le sang de Jésus. Lorsque vous donnez votre cœur à Jésus, vous devenez un enfant de Dieu et vous entrez dans la famille de Dieu. Levons nos mains. Levons nos mains. Hallelujah. Hallelujah. Peut-être que vous n'avez pas connu papa. Israël a dit, mon père n'a pas connu. Abraham ne nous connaît pas. Jacob, Israël ne nous connaît pas. Tu pries le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de tel, le Dieu de tel. Est-ce que vous avez des promesses de ces gens? Par qui? Il ne vous connaît pas. Vous n'êtes pas de la race d'Abraham. Si Abraham est devenu aujourd'hui notre père dans la foi, c'est par rapport à qui? Il a dit que toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham ont eu leur accomplissement en Jésus-Christ. C'est par Jésus que nous pouvons réclamer les promesses de Dieu. Que nous pouvons réclamer les promesses de Dieu. C'est par Jésus que toute malédiction doit être brisée. Que cela soit brisé ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est héréditaire soit brisé ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Que vous ne soyez plus la quai. Que vous soyez continuellement la personne qui influence les autres. Au nom de Jésus, nous privons des morts précoces. Au nom de Jésus, l'abaissement des hommes. Que là où on abaissé, que vous soyez élevé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que vous soyez une source de bénédiction, que Dieu rende ton nom grand. Père, merci. Père, merci. Dis avec moi, Père Céleste, je te remercie. Je suis né dans une famille sans un père qui a placé la semence, qui a fécondé
dans le sein de ma mère, je ne serais pas venu dans ce monde. Je ne connais pas la vie de ses pères. Même ce que ses parents ont fait. Mais ce que je sais, c'est que je suis venu dans ce monde par ta volonté. Si tu n'avais pas voulu, je devais être un avortant. Le sein de ma mère pouvait me servir de tombe. Mais toi, Seigneur, tu as voulu que je vienne au monde pour une mission, pour un but. Donne-moi l'intelligence par le Saint-Esprit et par la parole de connaître le but pour lequel je suis né. Merci pour Jésus, parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père que par lui. Il est dit dans ta parole à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, je crois en Jésus de tout mon cœur. Je le déclare de ma bouche parce que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort à la croix. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour moi. Il est devenu mon frère. Et je suis son frère. Je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ par la foi en lui. Je le crois, je l'accepte et je vais marcher dans ce monde avec assurance. Peu importe le regard des autres, peu importe les épreuves, peu importe les situations, je marcherai dans la foi, dans la confiance quand tu es avec moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom du Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alors, nous allons rapidement, pendant que l'équipe va préparer le travail, passer rapidement aux offrandes. Nous voulons donner à notre Dieu. Amen. Et une bonne offrande. Nous sommes bénis. Merci, Nadi. Merci à votre Peter, merci à vous tous qui avez été là présents pendant ce temps de séminaire. Nous voulons juste passer aux offrandes et puis nous allons passer rapidement à un temps de prière. Amen. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Est-ce que ça Alléluia. 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 Il est bon de chercher Dieu. Alléluia. Il est bon de chercher Dieu. Alléluia. Il est bon de chercher Dieu.